serait du Fox contre Mars? Est-ce que c'est du warm-up? Est-ce que c'est pas du warm-up? On va regarder. Ça a pas l'air d'être du warm-up, ou sinon c'est du warm-up super agressif. Mais tu peux monter d'ailleurs, regarde. Et du coup, on est parti direct. Allez, machine super agressive contre un grab, un up throw, un petit et un upper, pardon. Je commence à perdre mes mots, mais qui mènera à rien. Allez, ça regarde, ça dash dance un petit peu. Tato qui trouve ce grab. Allez, le petit, le petit, le petit, et le smash. Et là, tu reviens pas. Et si tu reviens, Belrico, Véron, disait la tête du Mars, ça c'est chaud pour le Mars de vous être gardé. Mais Tato qui continue, il perd pas la main. 116%, il y a le moins de petites. Oh là, une roulade dance, je sais pas trop quoi. Into, ce match avant, c'est passé, on va pas critiquer. Hein. Jolie lecture de la part de Machine, mais il faudra pas caser sur le Mars. Pour un père à côté de Tato, c'est pas grave. Tu te prends la semelle et tu pars. 3 stocks, 0%. Le match est relancé, comme diraient certains Lyonnais. Allez, Machine super agressive. Mais malgré tout, Tato qui arrive à trouver ce grab. Et du coup, sa chaîne grab un petit peu plus posée. Oh, joli! Le down throw par surprise pour pouvoir enchaîner avec un smash. Magnifique! Tato qui suit tellement bien, il grab ledge. Magnifique stop très solide de la part de Tato. Il avait Magine autour de lui qui jouait au moustique. Il a pris sa tapette, il a dit non! Magnifique stop de la part de Tato. Allez, Magine qui du coup est un petit peu plus agressif, qui sort un petit peu plus les lasers pour essayer de grappiller au moins du pourcent et donc se rapprocher de ma finisher. Jolie shine, mais ça ne tuera pas. Et j'ai pas l'habitude de dire ça. Par contre, ce upper, il tuera. Ça a beau être fontaine des rêves. Mais à ce pourcentage-là, ça ne pardonne pas. Et du coup, 3 stocks. 2 stocks partout, pardon. Et la Toki grab, il rate ce regrab, c'est dommage ça. Et la plateforme qui gêne un peu Dato, du coup. Même s'il était contre le voir, on avait l'impression que c'était plutôt Magine qui était à l'avantage parce que la plateforme là gênait totalement Dato. Elle travaille dans ses mouvements. Et magnifique shine de la part de Magine. Et du coup, Magine qui prend l'avantage pour la première fois dans ce match. Et Magine qui shine à fond. Hein. Là, le damage decay du shine, il doit être 3% pour le shine qui dit mieux. Magine qui trouve ce grab mais qui mènera à rien. Allez, c'est un smash par contre. Oh, le AFA, dommage, ça c'était un back air. Le upper qui passe, mais là, ce qui ne mènera rien non plus. Le back air, encore une deuxième fois, qui tue. Et Magic qui s'impose. Malgré un début de match un petit peu compliqué, Magic qui s'est ressaisi et qui deux stocks Dato. Très très bien joué de la part de Magic. Un partout. Et après, ça repart. Enfin, ça va partir sur champ de bataille. Allez, le grab, le down throw qui n'est pas taqué. Du coup, instant smash dans ta gueule. Ça continue à suivre un petit peu de la part de Dato. Dommage, la dash attaque. Pourtant, une bonne idée hein, qui aurait pu connect, mais non. Et le shine qui passe, mais non, ça va. Dato arrive quand même à revenir. Le down tilt. Allez, ça. Une petite pression là de la part de Magin. Imagine qu'il joue vraiment au moustique là, c'est... il fait une pression et puis il repart pour esquiver un smash. Mais là par contre Dato qui avec quelques fers prend l'avantage et oh le Hana qui passe en reverse. Et le down tilt et là normalement c'est fini voilà. Dato qui drop en back air et il va le chercher. Il vole le frag. Et du coup Dato qui hot sa première stock à Imagine très très bien joué. Allez Dato qui continue, grab up trop, à faire. Oh le grab qui est passé à ça. Et le shift tape du Hana qui passe. Imagine qu'il essaie de retrouver un petit peu le moins tout, mais il s'est interrompu par ce fer, mais. Oh, le shine par contre très bien placé. Mais Dato avec son double saut, il l'a pas claqué dans le shine, tout va bien. Ça se regarde un petit peu, ça temporise un petit peu plus. Du coup, allez, Imagine qui trouve ce grab, l'up. Oh, l'up trop, mais directement. Non, tu vas pas me faire, que dalle. Et le grab l'up trop, mais pas de pair toujours. Hein. Dato, belle deal de la part de Dato, c'est précipité sur la plateforme du milieu. Et petit temps de flottement là, par contre, de la part de Dato. Il aurait pu se matcher, il aurait pu faire n'importe quoi pour tuer Meiji. Mais non. Et par contre, la jolie placement, le Hana par contre qui ne touchera pas. Et le don't smash. Pourquoi pas, c'était peut-être qu'il avait mieux à faire le B9 par contre. Non. Mais Meiji, depuis tout à l'heure, il est dans la tourmente, il n'arrive pas à toucher terre là. Il arrive un petit peu, est-ce que Dato va le laisser reprendre le centre du terrain? Oui. Et du coup, Magine qui a un petit peu l'avantage. Repoussé quand même par ce fer de Dato. Qui veut pas non plus. Jolie temporisation, mais non, le shine directement.
Le shine directement de la part de Magine qui enfin fait perdre sa première stock à Zadou. Et qui a beaucoup trop de pourcent pour se permettre ce genre d'excentricité. Qui se prend un smash de stock à 3. Par contre, joli. Joli backer là, belle réaction. Ah ouais, tu fais un side B devant mon nez, et ben tu te prends ma semelle. Et du coup, ben, autant il a mis 2 minutes à enlever sa première stock de l'atome, et là autant la deuxième a fondu comme les jeux au soleil. 2 stocks 0%, on est reparti dans ce match. Allez, jolie agression là de la part de Melgin. Le uptilt qui touche devant parce que c'est un uptilt, c'était toi. Allez, après ça va, ça le grab, il suit magnifiquement bien la Melgin. Le backer en light qui lui permet de la spam pour monter, ça aurait pu, mais non. Joli tech, très joli tech, double triple tech de la part de Nato. Tellement au taquet, non, tu me pousseras pas dans le vide avec ton shine, quoi. Par contre, petit monopole, j'avoue, je savais pas qui allait choper l'edge. Finalement, c'est Melgin, et du coup, Melgin qui comprend l'avantage. Après avoir encore galéré au début de ce match, Melgin met Nato sur sa première stock, et donc ça, peut-être ça stock de bracket winner. Dato, Dato, bien, il a bien attendu avec ses dash dance. Grab up trop, par contre, il n'arrive pas à suivre. Ah, il était à ça. Et le petit qui passe, le upper. Dommage, pas de deuxième upper, ça. Ça aurait pu toucher. Mais il trouve ce up smash qui patiente un petit peu pour voir ce qu'on va faire Dato, mais du coup, il patiente un petit peu trop. Et Dato qui trouve ce fer, qui pousse Melgin. Dommage, le smash, il est passé tellement près. Ça aurait pu, ça aurait clairement pu. Le up trop, le up tilt qui passe. Dato qui a essayé d'aller chercher, mais un tout petit peu trop tard, par contre il avait à contrer. Du coup il revient sur le stage. Allez, le forward tilt qui tuera une stock 55%. Mais Dato, il connaît cette garde, il connaît ses gimp. Ça part de là, allez, ça grab. Le upper, dommage, le upper qui touche le bouclier, qui donne à Medjin une opportunité de se dégager. Allez, le fer, Dato qui continue, le grab, le upper qui double, le deuxième upper, le regrab, magnifique. Oh, le fantomite, le fantomite. Oh là là, ça peut être la game. Ça peut être le winner market de Datos Fantomite. Oh là là. Allez, le grab quand même. Il arrive quand même à trouver son grab. Mais pas de upper. Toujours problématique. Allez, le petit qui touche. Le upper. Non, dommage. Il s'est un petit peu surprendre dans la trajectoire de Melgin. Oh là là, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Allez, le grab. Datos qui retrouve encore un grab. Il se fait surprendre dans la get-up. Ça peut être fini. Non, ça va. Le up B. Le up B qui se touche miraculeusement. Allez, Melgin qui trouve ce shine. Melgin qui subit. Ah, Melgin qui tombe. Melgin qui se suicide. Sérieusement? Oh non! C'était hype, c'était beau! Il fait un espèce d'angle chelou en se jetant dans lui. Non, non, ça franchement je cautionne pas. Oh, je cautionne pas du tout. Oh, c'est dommage! C'est tellement, tellement dommage. Oh non, mais je... Oh, je suis triste. Oh, j'ai jamais débandé aussi vite et pourtant j'en ai vu des grosses. Oh, joli shine dès le début. Allez, Dato qui arrive quand même à remonter. Il sera un shine. Allez, Dato qui trouve ce grab, hein. Toujours ce grab, hein. Le pilier de la stratégie de Mars. Joli. Et Dato, il adore faire ça. Ah ouais, t'es habitué au shine grab. Et ben, je te donne trop, comme ça, tu vas pas penser à attaquer. C'est vraiment un truc qu'il aime bien. Allez, le shine de Magine qui touche. Reverse backer, le grab, le trop dommage. Il est un petit peu trop lent sur ce grab. C'est tellement dommage. Allez, ça se regarde là, ça temporise un petit peu. Ils ont le rythme cardiaque qui redescend un petit peu. Allez, c'est bon. Dato qui touche ce grab. Ce smash, pardon. On prépare les shines de Magine. Magine, mais il met un nombre incalculable de shines. Mais le problème, c'est qu'il ne suit pas vraiment derrière. Donc bon, ça met 2-3% à chaque fois, mais. Allez, le grab par contre, qui est trouvé? C'est Dreamland. Oh! Alors ça c'était beau. Tu fais quoi? Ah, tu roules sur la gauche? Ok. Tiens dans ta gueule. Magnifique. Parce que, en plus, c'est Dreamland, c'est super haut. Donc le smash côté, il est très très bien trouvé. Par contre, là, toi, allez, le smash côté. Désolé. Je suis en train de vomir sur le portable. Je suis désolé du Moria. Double shine, très joli double shine de la part de Magin. Qui re-récupère encore un shine, mais Dato arrive à récupérer son double saut. Allez, le backer, le Magine qui est trouvé, le grab, le 3 avant. Ouh. Rico un petit peu douteux de la part de Dato. Là par contre, il se passe un truc assez marrant qui au final se concrétise par faire de Dato. Allez, le petit qui est trouvé. Dato qui est tombé en contre, mais non, il se passera rien. Joli backer là par contre, et donc non, tu. Ne remontera pas, 3 stocks partout, 100% du côté de Dato. Donc petit désavantage, par contre tu tech pas. Hop là, la regrab. Oh magnifique de la part de Dato, est-ce qu'il va trouver ce regrab? Non. Allez, Melgin qui a réussi à s'extirper de cette edgeguard.
elle, Anna. Oh non! Oh, t'as voulu péquer! Mais y'a du vide en dessous! Du coup, tu fais une esquive. Vraiment dommage, suicide de Dato. Après tout, Meljin a fait un suicide tout à l'heure. Oh, il a tenté le shield stab! Oh, il tente le shield stab! Elle est grave, un troll reverse bénêtre. Je suis pas sûr que le reverse était voulu, mais bon, c'était stylé. Par contre, le joli shine de la part de Meljin, le double shine de la part de Meljin et la 3 stock à 1, ça commence à être délicat pour Dato. Allez, Dato qui trouve quand même. Non, qui trouve pas grand chose, hein. À chaque fois, il se fait choper par les shines de Meljin, il se fait interrupt. Par contre, double taunt tilt et tu ne reviens pas. Là, par contre, il va falloir sortir les Edgar, il va falloir sortir les Gimp, les combos très très solides. Dato, il en est capable, par contre, est-ce qu'après ce double shine, est-ce que ça va réussir? Meljin qui profite tellement des frames de vulnérabilité de l'aide pour mettre ses baguettes et c'est terminé. Meljin qui s'impose 2 à 1. Très très bien joué de la part de Meljin. Dato n'a pas démérité non plus.